Shalom Aleichem, on est dans Siman, Kouf Samechet, Alezepat, Mevorchim Amotzi. Sur quelle sorte de pain on fait la bracha Amotzi Lechem Inaretz? Il dit le Rav, Akovea Seuda, Alpatava Bekisnin, Uga, Yenyaenu Sheoche, le Malam Yimataim, 16 grammes, Kishu, Arba Abetzim, Ken, le Tov, le Ahmir, le Echol, Kishu, Mataim, 30 grammes, le Varech, la Uga, המוציא לחם מן הארץ, וברכת המזון. אם התחיל לאכול את העוגה שלו על דעת לקבוע עליה סעודה, הוא בירך בורא מן המזונו, ונמשר באכילתו עד שאכל שיעור 216 גרם, יברך ברכת המזון, אף שבירך בתחילת מזונות. כבר נתברר לאל שאם אוכל עוגה שיעור 162 גרם, ייטול ידיו ולברכה, אם אוכל שיעור 216 grammes, on va le voir à l'intérieur, il y a ce qu'on va chez Ismo. On a dit le rat. En premier, on avait dit déjà dans le chiour avant, qu'est-ce que ça veut dire à Patababé Kisnin? Il y a trois avis. Patababé Kisnin, c'est des maisonnotes. Qu'est-ce que ça veut dire? Un pain que c'est maisonnotes. Il y a trois avis. Maran HaShulchan Aruch, lui, il a été possèque. Il a tranché comme les trois avis. Même qu'il y a une des conditions. Ça s'appelle que maisonnot, on doit faire bourrémine maisonnot et après qu'on a mangé 37 grammes, 27 grammes, excusez-moi, on fait la bracha mein shalosh à la mihyava à la kalkala. Maintenant, il nous dit le rab. Un homme que lui qui kovea, ça veut dire qu'il fixe. Il fixe une seouda sur le pain maisonnot. Okay? Ce que ça veut dire fixer, ça veut dire de manger 216 grammes. Si tu manges de pain doux, ou du pain feuilleté, ou du pain croquant, okay? Que ça s'appelle, c'est fait croquant. C'est pas que toi tu l'as fait, la cabana tu as pris, mais non, tu as pris une tranche de pain, et tu l'as mis dans le four pour qu'il devienne croquant. Ça devient un motzi lechem min haaretz. Ça reste un motzi lechem min haaretz. Pourquoi? Parce que il a torato, torat pat. C'est, tu vois que c'est un pain, ok? Puisque c'est du pain, alors tu dois faire un motzi. On parle que maintenant, la pâte, elle est faite de manière que c'est bien croquant. Comme les petites galettes, là, les petits croquants là, qui font les mamans de la Tunisie, algérienne, marocaine, okay, ils font tout cela. Il nous dit, si tu as mangé de ce gâteau 216 grammes, ou du pain sucré 216 grammes, etc., okay, il nous dit le rab, ou... Et c'est conseillé d'être mahmir, d'être rigoureux, de manger 230 grammes. Parce qu'il y en a des avis qui disent que Shiur Kviat Seouda, la quantité pour être Kovéa Seouda, pour fixer une Seouda, pour faire après, pour faire un motzi Birkat Amazon, c'est d'après si tu as mangé 230 grammes, il dit le Rav, c'est Mevarer, Amotzi et Birkat Amazon. Quand tu as mangé 216 grammes, alors tu vas faire un Netilat Yadayim, Amotzi et Birkat Amazon. Et si maintenant il a commencé, comme par exemple c'est fréquent, quelqu'un qui mange un borécas, il mange 2, il mange 3, il mange 4, il mange 5 borécas, et ça va vite. On parle que le Rav va nous éclaircir que quand on pèse le borécas, on le pèse sans le contenu, sans le fromage, sans la viande par exemple, c'est du viande. Il faut prendre le borécas neutre, ça veut dire la pâte neutre. Quand c'est bourré cas, je parle, okay? Ou sans boussac. Toutes les pâtes à pavé kisnine, on les pèse neutres. Neutres, oui, seulement, c'est maintenant c'est pâtes à pavé kisnine, ça veut dire si c'est un gâteau. Si okay? C'est fourré au chocolat, on compte pas le chocolat. Exactement, on compte pas le chocolat. Si c'est, voilà. Toutes les pâtes à pavé kisnine, on compte que exactement, la pâte. Exactement. On prend en considération rien que la pâte, parce qu'il y a pas, il y a encore une autre sorte de pâte à pavé kisnine. Par exemple, comme on a dit, c'est la pâte doux, que c'est fait avec du sucre. Ou c'est fait avec du lait, une quantité de du lait que tu as goûté. Quand tu vas manger maintenant ce pain-là, tu goûtes le lait. C'est-à-dire qu'il peut peser 60 grammes, mais en vrai, il pèse 20 grammes. Exactement. Alors, si il pèse 20 grammes, eh bien, ça ne s'appelle pas que tu dois faire maintenant bourrémine maisonnot. Voilà. Mais non, c'est-à-dire... à la mihria. Oui, alors, excusez-moi, mihria, tu as raison, à la mihria. Bourrémine maisonnot, tu es obligé de faire. Il ouais. Faut tout le temps savoir, quand tu prends un aliment que tu tiens profit de cela, tu dois faire la bracha. Il y a des aliments que tu ne tiens pas profit. Par exemple, de l'eau. De l'eau,
si tu bois, pas parce que tu as soif, tu bois parce que Médicaments. de santé. Le bonhomme Médicaments. lui déjà, ou un médicament par exemple. Par exemple, il a bu déjà une bouteille de verre, de l'eau. Il veut prendre maintenant une autre bouteille. Il a déjà bu, il a bu maintenant. Okay? Il ne veut pas faire la bracha. Ça sort les varech. Parce que c'est bracha levatala. Pourquoi? C'est écrit à shotel litzmaro. Quand il boit, quand il a soif, on parle de l'eau. Rien que de l'eau. Mais si par exemple c'est un jus, puisque maintenant ton palais il tient Le goût. profit, okay? Le goût. Tu as le goût, exactement. Mais là, il faut faire shakol yabidvaro. Maintenant, un gâteau que tu fais, que tu as 216 grammes, tu dois faire un netilat yadayim et un motzi. Et après, tu dois faire birkat Amazon. Mais ce gâteau, on prend en considération quand, par exemple, si c'est un borekas, borekas c'est comme un croissant avec du fromage dedans, on ne prend pas en considération le fromage. Quand on pèse, par exemple, il y a un livre qui s'appelle, je crois, Birkat Ilia, où il est venu en Israël, il a pris toutes les sortes de gâteaux et il les a pesés sans le contenu et il marque. Sans que le contenu, avec le contenu, ça c'est la bracha, à la mechia, à la fin. Si tu manges par exemple un gâteau, si tu manges un demi-gâteau, des rogalach, etc. Tout cela, il a déjà fait. Ou par exemple, combien c'est un revi'it? Qu'est-ce que c'est un revi'it? Vous savez, c'est un verre comme ça, il fait combien? 200 millilitres. Un revi'it, c'est comme ça. C'est combien un revi'it? Revi'it, c'est 86 millilitres. D'accord? Même comme ça. Comme ça, c'est déjà Boré Nefashot Rabot. Si c'est un vin, c'est à la Geffen, mal pris à Geffen. Okay? Alors, il dit le Rav, au Béré, Boré Menemezonot. Alors, maintenant, on parle d'un cas que le bonhomme, lui, il a pris des gâteaux, il a commencé à manger un Borécas, deux Borécas, 20 grammes, encore 30 grammes, etc. Tout d'un coup, il est arrivé à manger une quantité de 216 grammes. Av chez Birer Batrila Maisonot, même que dès le départ il a fait le Bourré Bénémaisonot. Et déjà on a éclairci, il faut faire très attention. Qu'est-ce que je vous dis maintenant? Quand un homme, lui, c'est sûr qu'il va manger 162 grammes, qui est obligé de faire la Netilat Yadayim, mais sans bracha, okay? Il y a 4 Amazon, c'est sûr qu'il ne va pas faire. Parce qu'il rentre dans, il reste dans sa fait brachot laquelle, dans sa balle. Parce que c'est un doute d'après le certain poskim qu'il doit faire déjà Birkat Amazon après 162 grammes. C'est pour cela qu'il faut faire très Mais c'est attention. pas pour Batapa avec Kislin, pour Motsi. On parle de Batavad et Kislin. S'il prend 162 grammes il faut qu'il fait la Netilat Yadayim avant. s'il le Et il faut prévoit. éviter de rentrer dans ce safek-là, dans ce doute-là, de manger 162 grammes. Parce qu'il rentre dans un safek, dans un doute, est-ce qu'il doit faire Birkat Amazon, oui ou non? Et il fait Netilat Yadayim quand il fait Netilat. Il fait la bracha. Non, non, je vais l'avoir. Et même quand quelqu'un maintenant il fait Kobea Seudato, il va manger sur 216 grammes. C'est vite, hein, 216 grammes. 216 grammes, des fois, si il y a des borekassim en Israël, 5-6 borekass, c'est largement. Combien quelqu'un, il m'a dit ici, les croissants, combien ça fait un croissant? 80 grammes. Tu prends peut-être 3 croissants comme ça. Un croissant, ça fait plus, je crois. Ouais? Ça fait 100 grammes, peut-être. 100 grammes. 100, 120 grammes. Alors, si tu prends deux croissants et un quart, et un tiers, déjà c'est Birkat Amazon. Et ça va vite. Un homme qui est le matin, qui prend un petit café, okay, au resto avec son copain, il prend deux croissants et un tout petit peu, il faut qu'il pèse, sans le chocolat, Ken. On parle sans le chocolat. Eh bien, il faut qu'il fasse la Netilat Yadayim. Il y en a qui veulent dire qu'il faut faire avec la bracha la Netilat Yadayim. Et il fait après Birkat Amazon. C'est vite fait ça. Combien de fois le bonhomme, lui, il est hayav de faire Birkat Amazon, il passe à côté. C'est dommage. Les gens, ils cherchent des ségoulottes. Ça veut dire ségoula? Ségoula, en français, c'est des C'est un ségoula. remède. C'est ouais, encore remède. Okay? Et pour avoir l'argent. Ah ouais, un remède. Voilà. La meilleure ségoula qu'il y a au monde, c'est de faire bien Birkat Amazon. Dans les mots, prends le livre, etc. Quand un homme il fait bien Birkat Amazon et de faire la Netilat Yadayim comme il faut. Ne pas faire la Netilat Yadayim, de mettre les mains de l'eau comme ça, pour soi-disant que tu as fait la Netilat Yadayim.
Chas v'shalom, c'est écrit clair dans les poskim. Un homme qui ne fait pas bien la netiyat yadayim, magia par maintenant la niout, la pauvreté. Ça, c'est clair. Très attention. Et etc. Il y a beaucoup, beaucoup de inyanim quand il se lève le matin de comment il doit faire la netiyat yadayim. Fais attention. Okay? Les gens, ils ont peur, ils ont des peurs, les gens, ils ont des rêves, etc. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas bien la netiyat yadayim quand tu te lèves, etc. Ça, c'est un chiot qui finit à ce mot. Il nous dit le rab. שקובע סודת ההולוגה צריך שיאכל כל כזית מפת אבא בכיסים בתוך כדי אכילת פרס. אמרו יש לנו פרה, אין טרדיקציון לעושה על החלה. איפה סבוע? הפעל לקנטיטה כאנו מדוע מנג'ה. הפעל לקנטיטה. אילפו כאין מנג' עושי דן דן זן טן. כס כסי סטן לה? זה טן entre 4 minutes et 7 minutes et demi. Toute quantité. À Kavana, quand maintenant il doit faire Birkat Amazon, ou quand il doit manger par exemple du maisonnote, il fait la Myriya, okay? Ou il va manger chez Akol, il faut qu'il mange pour faire Bracha Harona, la dernière Bracha, il faut qu'il mange dans un temps de entre 4 minutes et 7 minutes et demie. C'est rapide. 7 minutes et demie, bien sûr. Si maintenant le bonhomme, lui, il a pris un gâteau, et il a pris par un baba une cuillère. D'accord? Et il parle. Après, il prend une autre cuillère. Ouais. Il parle. D'accord? Ouais, il y a 15 minutes. Ben, il ne doit pas faire Birkat Amazon. Excusez-moi, on a la Birkat. Mais s'il a un sandwich. Oui. Il a fait. Et il prend son sandwich, mais il mange son sandwich en 20 minutes. Par exemple. On ne parle pas maintenant de la fin du sandwich. On parle la première. Quand tu manges. Aussi, motzi Shabbat, ou tous les jours, quand tu manges du pain, tu dois faire un diète d'Aïn, la bracha, tu fais un motzi, tu vas faire après Birkat Amazon, d'accord? Ouais. C'est en condition que tu as mangé ton kazaï, de 27 grammes, entre 4 minutes et 7 minutes et demie. Si tu n'as pas mangé entre 4 minutes et 7 minutes et demie, assure de faire la bracha. Seulement si maintenant un homme il est arrivé, il a mangé son repas, il a mangé un petit morceau, il a mangé de salade, il a mangé de la viande, tout cela. Ouais. Maintenant, il se dit, mais j'ai pas mangé entre 4 minutes et 7 minutes et demie. Comment il fait? Prends maintenant un kazaït, ouais. Mange-le. Et maintenant, s'il mange un kazaït. Encore problème. Ah, donc. Il faut manger du pain dans son repas, son kazaït, entre 4 minutes et 7 minutes et demie. Ah, d'accord. Mais s'il mange moins d'un kazaït, c'est-à-dire il mange 20 grammes, il attend une demi-heure. 20 grammes, il attend 20 grammes. À la fin, même si à la fin il a mangé 100 grammes de pain, il ne fait pas de pain. Il y a un problème dans cela, il rentre dans un gros marchoquette. Pourquoi? Parce qu'à la fin il va être savéa, à la fin il va être rassasié. C'est écrit dans la Torah, Arata Vesavata, Oberachta, quand tu vas être rassasié. Maintenant il rentre dans un problème de marchoquette. Est-ce qu'il doit faire Birkat Amazon, oui ou non? La halakha, il ne doit pas faire Birkat Amazon. Pourquoi? Parce qu'il a mangé tous les 20 minutes moins que Kazait. D'accord? C'est comme ça qu'ils font en général. Maintenant, si un homme, lui, il doit manger Kippour, comment il doit manger? Il doit manger parot que kotevet tous les 10 minutes. D'accord? C'est moins que kabetza. Moins que kabetza, moins que 56 grammes. Il doit manger, ok? Tous les 10 minutes. Parce qu'on ne veut pas qu'il fasse Birkat Amazon. Exactement. Parce que c'est hayav karet. Un homme qui mange, même qu'il est malade, même que lui il doit manger, il est obligé de manger, mais on lui donne et on lui dit qu'il doit faire attention quand même de manger des quantités. Seulement si maintenant le docteur il est dit, il est obligé de manger tout de suite un morceau de pain pour ses médicaments, immédiatement il doit manger 30 grammes. Ça c'est autre chose. Ça c'est pikuach nefesh. C'est un niveau de danger, c'est un danger, on ne parle pas. Et si maintenant il y en a des gens qui prennent des cachets, comme des antibiotiques très forts, maintenant il est obligé de prendre un antibiotique. Alors on lui dit, d'accord, tu es obligé de prendre un antibiotique, mais il faut que tu prends en considération de ne pas le prendre ce pain-là, manger, okay, plus que, moins que 10 minutes par exemple. Tu tires un morceau de pain, moins que kazaït, moins que kakotevet, okay, et après 7 minutes et demie, ou 8 minutes comme ça, tu manges encore un autre morceau, etc. On revient chez nous. Il dit le rab shekove asudato aluga. C'est-à-dire, shiochal kol kazait mipat abba bekisnin. Et donc, il y a achilat peras. Quand maintenant un homme, lui, il fixe son repas avec un gâteau.
Ken, ça veut dire que lui, il va manger plus que 216 grammes. Il faut qu'il mange le premier kazaït, par exemple. À Patababekiznit, les 27 grammes, il faut qu'il les mange. Kédé Achilat Peras. C'est combien Kédé Achilat Peras? De 4 à 7 minutes. Exactement. C'est de 4 à 7 Achilat Peras, Peras. Peras, ça veut dire c'est un temps. C'est un temps, Peras. Le temps de manger. Le temps de 7 minutes et demie. Mais il mochel pachot mishiur. Et s'il va manger moins que Arba Kabetsim, mais varer boré miné mezonot, il va manger moins. C'est quoi Arba Kabetsim? 216 grammes? Non, c'est moins. C'est moins. On verra. Les autres choses, ça c'est machloket rachir rambam. Combien c'est? Et le basof, il fait à la mihya. Il va manger maintenant moins que Arba Kabetsim. Ou Mikol Makom, la chon les airs, les khatrila, qu'est-ce qu'il faut faire? De chez l'ol et chol, mi pataba, kisnin, kishiou, shalosh betsim, d'aïnou, nous dalle d'arham, chehem, kemea, vishishim, vishtaim gram. Il nous dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ken. Il faut faire attention de ne pas manger batababikisnin, du mezonot, une quantité de 3 betsim. Combien c'est 3 betsim? C'est 54 dirham. Et 54 dirham, ça c'est 62 grammes. 162 grammes, excusez-moi. Oh, j'ai pas compris, ça veut dire quoi? Comme je vous ai dit tout à l'heure. Si tu prends maintenant. Du pataba avec isnin, c'est-à-dire un gâteau. Si tu manges, Ken, 216 grammes, qu'est-ce que tu dois faire? Je vais laver les mains. Et tu l'as déjà dit, sans bracha. Il y en a qui disent avec bracha, et après tu fais Birkat Amazon. Mais non, si tu vas manger 162 grammes, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Tu l'as déjà dit, sans Birkat Amazon. Ouais. Pourquoi? C'est machloket. Est-ce qu'on doit faire maintenant Birkat Amazon, oui ou non? D'après Maran Shulchan Aruch, il ne faut pas faire Birkat Amazon. Enfin, il nous dit le Rav ici, fais attention les khatrila de ne pas faire, Ken, de pas manger, excusez-moi, 162 grammes. Parce que si tu manges 162 grammes, tu rentres dans un safek Birkat Amazon. Et ça veut dire quoi, Keshigyor? Keshiou, c'est une quantité. Ah, Keshiou. Azakobao.